Attends. Infinite Warfare, entre nous, entre abonnés et youtubeurs. On s'en bat les couilles! On s'en bat les couilles! Voilà, putain! Fallait que je le sorte, bordel de merde! Yo les gars, salut tout le monde, c'est Belloum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, comme d'habitude. Avant de la commencer, je vais vous présenter le gameplay. Donc c'est une nucléaire de la part de Ferzo, sa chaîne est dans la description. C'est un gameplay vraiment exceptionnel sur la map Combine à la Cuda. Aujourd'hui, c'est très simple, on va parler de Infinite Warfare, parce que entre nous, comme je vous l'ai dit en intro, on s'en branle d'Infinite Warfare. Au vu des dislikes qu'il y a eu sur le trailer, tout le monde s'en branle. Mais les développeurs ne désespèrent pas puisqu'ils disent tout simplement que si Infinite Warfare ne plaît pas, Code 4 sera leur échappatoire. Eh bien moi je dis non. Il ne faut pas qu'il y ait d'échappatoire au niveau de la série Call of Duty. Car tout simplement les autres développeurs, que ce soit Sledgehammer ou même encore Treyarch, vont faire exactement la même pour les prochains Call of Duty. Car si vous ne le savez pas, l'édition avec Call of Duty 4 de Infinite Warfare sera plus chère que le jeu original. Donc est-ce un moyen d'amasser plus d'argent ou de faire réellement plaisir à la communauté? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Maintenant moi, une question que je me pose, c'est est-ce que tous les développeurs de Call of Duty vont refaire exactement la même chose qu'Infinity Ward, c'est-à-dire refaire tout le temps des remakes? Pour l'édition avec Call of Duty 4, il vous faudra débourser plus de 80 €. Surtout que Code 4 ne sera même pas en version boîte, c'est-à-dire que vous aurez juste un code à mettre sur la PS4 ou la Xbox One. Donc franchement, c'est super abusé de faire payer plus de 80 € pour une édition qui en fin de compte n'est juste une version dématérialisée du jeu. Ça reste mon avis, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Bref, moi je vais retourner manger mon couscous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Allez, salut tout le monde. Et n'oublie pas mon pote, que la force soit avec toi.